Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Londres 2012 sur Xbox 360. Et nous allons attaquer la 11e journée de Jeux Olympiques en mode difficile. Un petit tour du tableau des médailles d'abord. Où ben si on domine, on a quand même un adversaire de taille qui est la Grande-Bretagne. Clairement. A savoir que là on va attaquer les épreuves où je suis pas très fort. Donc on risque de perdre beaucoup de plumes. Et il y a 18 pays qui ont gagné une médaille. Côté compétition, un début timide, et puis on a enchaîné avec pas mal de médailles d'or, quelques médailles de bronze au milieu. Rien de rédhibitoire, planifié, donc même des petits bonus, hein, on a eu, notamment le rameur. Mais un petit couac au saut en hauteur, de la journée précédente. C'est vraiment le seul couac pour l'instant de la partie. Donc aujourd'hui, on va faire de la gymnastique, car oui, j'aime la gym. En fait, non. Alors, que dire sur ces épreuves-là, un objectif, ce serait de se qualifier pour la finale. Clairement, je ne vise pas mieux, car lors de mes parties précédentes, je n'ai pas atteint la moindre finale. Et on va commencer par le saut de cheval féminin. Donc, côté gameplay, ben, c'est comme les épreuves de saut, faut appuyer puis accélérer en laissant la barre verte dans la bonne zone. Une impulsion avec le premier bouton, la figure avec le deuxième, et comme d'habitude, le petit bas pour finir la figure. Ce petit bas qui est ma hantise dans les sports de plongeon va l'être également pour la gym. Bref, on va commencer par quoi? Deux étoiles, et c'est la figure d'entraînement d'ailleurs. Ah, super! Sur les fesses. Et ça fait un... deuxième? Ah, c'est pas dégueulasse, ça. Alors, ici, vous allez avoir deux sauts, et c'est la moyenne des deux qui compte. Alors là, vous avez qu'une touche, c'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs pirouettes, en fait, et appuyer sur le bas au bon moment. Elle vient de se péter la colonne vertébrale. Le score est pas fou parce que j'ai pas réussi à bien atterrir. Et oh oui, pour un poil de fesses, nous sommes qualifiés en finale avec un record personnel. Dommage ce 9, j'aurais vu un point de plus. Bon, un point de plus, j'aurais pas fait mieux, clairement. On s'est qualifié? Oh bah dis donc. C'est magique. C'est super, je suis vraiment très content. Deuxième épreuve de gymnastique, le trampoline. Le trampoline. Avec les messieurs, c'est aussi. Donc, votre petit bonhomme là, il va sauter tout seul comme un grand, et vous allez devoir faire des figures. Alors vous trouvez qu'une figure, c'est chiant, vous allez devoir en enchaîner 8. Voilà. Avec des doubles touches. Ah, ça, c'est mon enfer, ça. Ma hantise. Et vous avez du temps pour faire tout ça. Oh, super, on commence déjà avec une double touche. Et on a 70 secondes pour faire 8 figures. Au poil, je vous dis. Et toujours ce petit bas qui va m'embêter, clairement. Ouais. Vous voyez, ça, ce que je comprends pas, c'est que j'ai fait les trois touches en vert, là. Et ça me l'a pas compté. Vous voyez? Alors, est-ce que je le fais pas au bon moment? Voilà, et il faut que je me reprenne deux fois, ça me fait perdre beaucoup de temps. Voilà, j'ai plus assez de hauteur, donc ok. L'appareil, vous voyez qu'il reste que 20 secondes, hein, et j'ai fait même pas la moitié des figures. Alors, puis je me suis raté. C'est génial, cette épreuve, je l'aime pas, clairement. Là, il arrive.
C'est con parce que je les enchaîne, les figures. Ouais. Quel dommage. Alors, effectivement, le chrono étant arrivé à zéro, je ne pouvais pas finir ma figure. C'est un peu dommage, ça devrait laisser au moins la dernière. Donc, 6 figures sur 8, je vais me prendre une sale note. 29-3, je suis 7ème forcément. Ah, il a raté deux meilleurs profits de figure. Et c'est un peu dommage, en faisant deux figures, j'étais qualifié, je pense. Hein, vraiment. Mais les petites touches ont été précieuses. Bon, qu'espérer de cette finale? Je sais pas, clairement. On s'est qualifié 4ème, bel exploit, mais avec un saut raté. Et un saut pas trop mal, trop moyen. Le saut moyen nous a permis d'avoir quand même pas mal de points. Hein. Et je refais mon saut que j'avais raté tout à l'heure. Hein. On est optimiste. Hein. Et j'ai appuyé trop tôt sur le bas. Là. Donc là, je me suis pété la clavicule, encore une fois. Zéro ? Ah non, la partie morte, là, clairement. La partie cuite. Avec une difficulté zéro, c'est mort. Hop là, atterrissage sur les fesses. Et c'est, oui, avec un 0, c'est cuit là, clairement. Vu que c'est une moyenne des deux. Donc 12-4, c'est dommage. 12-4, ça fait un bon score. Mais une moyenne à chier. Du coup, on a fini dernier. Bah oui. Et avec 12-4, eh bien, on pouvait taper. Si faisait 12-4 et 2, c'était la médaille de bronze. Et bien sûr, les Anglais ont eu deux médailles d'or. Bah ouais, tant qu'à faire. Donc là, on a perdu 6 points. C'est pour ça qu'il fallait prendre énormément d'avance au début. Et c'est ça qui me frustre aussi dans ce jeu. Bref, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Salut !